Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très courte. Mise à jour du full cab, mise à jour en 1.1.5, donc j'ai intégré VPinMame 3.4 dedans, et puis la nouvelle DLL Freezy 1.10 qui vous permet d'avoir le 64 couleurs sur le Pin2DMD, et puis 64 couleurs et des options de scaling sur les LCD. Donc très simplement, on va aller le télécharger, donc on va aller sur Monte ton cab. Download, fichier téléchargeable logiciel, hop, full cab installer, hop, télécharger. Voilà, bon, j'en ai déjà un paquet. Affiché dans le dossier, il est là. Exécuté en tant qu'administrateur. Il me demande. Je suis sur mon PC de bureau, j'ai antivirus, j'ai tout. Donc il me demande de le lancer quand même. Donc voilà, il me propose une mise à jour. Donc mise à jour. Hop, je la fais. Il va me mettre à jour mes DLL Freezy. Il va me mettre à jour mon VPinMame 3.4, il se relance. Voilà, pour ceux qui font une nouvelle installation, donc une nouvelle installation, il n'y a pas trop de soucis, ça va tout vous installer nickel, vous n'aurez plus qu'à choisir ce que vous avez comme config et tout. Par contre, attention, ceux qui ont déjà une config existante, il va falloir modifier des fichiers. Donc une fois que vous avez fait la mise à jour, pour ceux qui ont des écrans LCD, il va falloir aller dans votre répertoire VPinMame. Il va falloir chercher votre dmddevice.ini. Il va vous falloir rajouter Scale to HD et Scale 2X ici. Parce que ces deux colonnes-là, vous ne les aurez pas dans votre ancien fichier. Si vous faites comme je viens de faire en cliquant sur dmddevice, ini, lcd ou pin2dmd, vous allez les avoir. Par contre, il va vous shooter toute votre config que vous aviez faite. Moi, en l'occurrence, ma config, là, je m'en fous, c'est sur mon PC de bureau, donc j'en ai rien à faire. Ne faites surtout pas ça. Il faut vraiment aller dans ce fichier et vous allez copier ça. Si vous ne trouvez pas ces commandes, vous allez hop, sur le GitHub de Freezy et vous les avez ici. Vous pouvez faire un copier-coller de là, ça marchera. Tout pareil, tac, vous mettez ça. Là, je le passe en trou pour mon LCD pour avoir un affichage qui marche nettement mieux. Et ça marchera très bien comme ça. Je sauvegarde et on n'en parle plus. Donc maintenant, si on regarde, on va être en VPinMame 3.4. Voilà, info 3.4, décembre 2021. Super. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on veut mettre des ROM color, eh ben, pas compliqué. On va sur le site de VPU, download catégorie, catégorie, on va aller dans Pin2DMD Colorization. Ici, je vais avoir, je pourrais prendre Lord of the Ring, tiens, c'est pas mal ça, ou n'importe laquelle, tiens, Creature from the Black Lagoon, hop, je le télécharge, je crois que je l'ai déjà, mais bon, c'est pas grave, ça va vous montrer. Je suis sur quoi là? Ah, c'est pour un vrai DMD, je me suis trompé. Je suis con, j'ai été là-dessus. C'est pour aller vrai pinball. Tout là, virtual pinball. Ouais, ça ira mieux comme ça. Ça ira mieux comme ça. Allez, tiens, Lord of the Ring, c'est parti. Download this file. Hop, affiché dans le dossier. Je vais décompresser avec 7-Zip. Voilà. Hop, je prends mes fichiers. Je vais dans VPinball, VPinMame, Alcolor. Et là, je dois avoir un répertoire Lord of the Ring. Je copie, je remplace par cela. C'est parti. Et puis, on va les tester si ça fonctionne. Lord of the Ring. C'est parti. Bon, je suis en dégueulasse, hein, je suis en bureau. Voilà, donc j'ai la couleur, 64 couleurs, je suis bien en scale to HD et je suis bien en scale 2X. Et ça marche. Voilà, donc petite mise à jour du full cab. N'hésitez pas à la télécharger, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, mettre un petit like, vous abonner et à cliquer sur Force Jaune. C'est toujours sympa pour me payer un godet.
Allez, bonne journée. Ciao, ciao.